La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir, ce soir de match pour les Canadiens. Ça me fait toujours particulier d'être seul dans cette grande salle du conseil. On est content de savoir que présentement, au niveau de la COVID, ça commence à se dessiner un petit peu mieux. On espère que les règles vont toujours aller en s'améliorant, permettant entre autres d'avoir mes collègues ici autour et du public dans la salle pour nous poser des questions. Alors, on a bien hâte à ce moment. Au niveau de la COVID, vous savez, je le disais, les statistiques s'améliorent. Le taux de présence des cas là, qui est analysé là, quand même est en assez forte baisse au cours des derniers jours. C'est intéressant. Les hospitalisations sont en baisse aussi. Le taux de cas positifs qui sont trouvés parmi les tests qui sont faits est en baisse. La vaccination, elle, est en hausse. Ça va vraiment très bien. En fait, on est rendu à 68 % de la population qui est vaccinée. Alors, c'est quand même très intéressant. Il y a des classes d'âge vraiment qui la participation était très élevée. Il y en a d'autres pour lesquelles, évidemment, ça a commencé plus tard, mais on espère que ça va quand même aller, encore une fois, en s'améliorant. On a besoin d'avoir plus de gens qui se font vacciner pour pouvoir passer à d'autres étapes au niveau des règles qui nous sont données par rapport à la COVID. Mais quand même, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Il y a des entreprises qui ont eu l'occasion de réouvrir, des restaurants qui réouvrent. Ça a été pour moi un plaisir aussi d'aller en salle à manger de différents restaurants. Les bars bientôt vont ouvrir. Ils auront besoin d'un bon soutien, eux aussi, après toute cette très longue traversée du désert pour eux. Alors, ça sera l'occasion de penser à eux avec le beau temps qui s'en vient et le temps chaud qui nous touche présentement. Alors voilà, au niveau de la COVID, donc il ne faut pas perdre espoir, on va sur un chemin qui est beaucoup plus intéressant qu'il l'était au cours de la dernière année et demie. Maintenant, au niveau des activités de la ville, donc il y a eu la journée horticole récemment, où est-ce qu'on a remis des plants à de très nombreux citoyens qui sont venus nous rencontrer. En fait, malheureusement, on en a manqué encore cette année, alors on continue toujours à augmenter les quantités, mais c'est une activité extrêmement populaire, en service à l'auto aux ateliers municipaux. Alors, on va travailler l'année prochaine d'en avoir encore plus, en espérant ne pas en manquer, mais en même temps, quand on en manque, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont présentés. Félicitations au comité d'embellissement de la ville qui travaille très, très fort pour ce type d'activité, surtout qui ont des activités assez rapprochées, parce qu'il y a eu aussi l'activité de naissance d'un arbre, encore une fois aux ateliers municipaux, encore une fois en service à l'auto. On a même eu droit à un petit garçon, une petite fille, je ne me rappelle pas, qui est arrivé en voiture en plastique pour le service à l'auto. Alors, traîné par ses parents, c'était vraiment, vraiment sympathique de voir ça. Donc, très forte participation record cette année pour naissance d'un arbre, là, comme quoi, quand même, il y a de la vie chez nous, beaucoup de nouveaux bébés, alors c'est une bonne nouvelle. Et aussi, en fin de semaine dernière, avait lieu la grande journée des petits entrepreneurs. Vous savez, ça a lieu à chaque année depuis déjà quelques années. Moins de monde cette année, moins de jeunes entrepreneurs, mais quand même, une belle activité qui a eu lieu à l'intérieur au centre Mario-Gosselin. Donc, j'ai eu l'occasion d'y aller faire quelques emplettes avec mon bébé-fille. Donc, très belle activité. Les jeunes ont travaillé fort. Les jeunes étaient fiers de nous présenter ce qu'ils avaient préparé. Alors, félicitations à tout le monde. L'organisation aussi, donc, France Vachon, la Société de développement économique, et avec des gens qui l'aident. Donc, c'était vraiment très bien. Alors, voilà pour l'ouverture de séance d'aujourd'hui. Sinon, je sais pas, il y a du beau temps. Profitez-en pour sortir un petit peu, là, puis profitez de ce qu'on a le droit de faire maintenant. C'est toujours magnifique d'avoir un peu plus de liberté. En 2.1 de l'adoption de l'ordre du jour, Mme la greffière. Pour ce soir, il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit accepté en retirant le point 5.2. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite en faire la proposition? Oui, M. le maire, Michel Verreault propose. Merci, M. Verreault. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patry, j'appuie M. Verreault. Merci, M. Patry. En 3.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mai et de la séance extraordinaire du 19 mai. J'ai procédé au dépôt des projets de procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 mai et de la séance extraordinaire du 19 mai 2021. Tous les membres du conseil déclarent avoir reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi.
En conséquence, il pourrait être proposé que les procès-verbaux des deux séances du Conseil soient adoptés sans changement. Merci. Une proposition? Oui, Michel Véraud propose. Merci, M. Véraud. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patry, j'appuie M. Véraud. Merci beaucoup. 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la Commission permanente des 17 et 31 mai 2021. J'ai aussi déposé les projets de procès-verbaux de la Commission permanente du Conseil. En conséquence, il pourrait être proposé que les rapports de la Commission permanente des 17 et 31 mai 2021 soient adoptés afin que les résolutions qu'ils contiennent soient valables comme si elles avaient été récitées au long. Merci bien. Une proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Yvan Corriveau propose. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, Hélène Martin, j'appuie M. Corriveau. Merci beaucoup, Mme Martin. 5.1, nomination au sein du Conseil d'administration de transport adapté de la région de Thetford incorporée. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Donc, attendu la nécessité pour le Conseil de la ville de Thetford Mines de nommer deux délégués pour le représenter lors de l'Assemblée générale de transport adapté de la région de Thetford. Attendu la possibilité pour un représentant de la ville de siéger au sein du conseil d'administration de l'organisme. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 mai 2021. En conséquence, je propose que le conseiller Jean-François Delisle soit désigné comme membre du conseil d'administration de transport adapté de la région de Thetford à titre de représentant de la ville de Thetford Mines. Que les conseillers Jean-François Delisle et Michel Véraud soit délégué pour représenter le conseil municipal et assister à l'Assemblée générale de transport adapté de la région de Thetford qui se tiendra le 15 juin 2021. Merci beaucoup, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire. Yvan Corriveau, j'appuie Mme Martin. Merci beaucoup. 5.3, mise en œuvre des recommandations du BAP au sujet de l'amiante. Est-ce que quelqu'un prend faire la proposition? Oui, M. le maire. Attendu qu'en octobre 2019, le Bureau d'audience publique sur l'environnement du Québec a été mandaté par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques afin d'établir l'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés au Québec et que le 24 juin 2020, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charrette, recevait le rapport final du BAP. Attendu que parmi les nombreuses recommandations des commissaires, certaines concernent directement le milieu municipal touché par la présence d'amiante. Attendu que les travaux actuels de réflexion visant la suite à donner aux recommandations des commissaires relèvent du bureau du premier ministre, M. François Legault. Attendu que les recommandations des commissaires en vue de l'adoption d'un nouveau cadre de valorisation des RMA par le gouvernement du Québec auront des impacts directs sur le développement actuel et futur de notre région. Attendu que des discussions ont cours afin de développer ce nouveau cadre de valorisation des résidus miniers amiantés au sein de différents ministères. Attendu que les municipalités et les MRC sont des gouvernements de proximité. Attendu que la MRC s'est vue confier la loi des compétences du développement économique et de l'aménagement du territoire. Attendu que la démonstration a été faite lors des audiences du BAP. Que la présence des résidus amiantés peut devenir un levier de développement majeur pour la région et le Québec si le cadre de valorisation est adapté à la réalité. Attendu que les municipalités travaillent activement depuis plusieurs années afin d'assurer la sécurité de leurs employés travaillant en présence de matériaux contenant de l'amiante et qu'elles souhaitent le faire en collaboration avec la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Attendu que la ville de Thetford Mines a notamment fait nombreuses propositions en lien avec l'amiante et la santé et sécurité au travail, tenant compte de la réalité sur le terrain et du long historique de travail en présence de matériaux contenant de l'amiante. Attendu que la MRC des Appalaches, la Société de développement économique de la région de Thetford et les municipalités participent activement avec le milieu afin de trouver des solutions innovantes et créatives afin de favoriser le développement régional. Attendu l'historique de la région et le fait de traiter quotidiennement avec la réalité des résidus miniers amiantés. Attendu les procédés et protocoles innovants mis en place par des organisations et entreprises locales pour travailler avec les résidus miniers amiantés. Attendu qu'à ce jour, ni la MRC des Appalaches, ni la SDERT, ni les municipalités et villes de la MRC des Appalaches, ni les municipalités et villes des autres MRC concernées ne participent aux réflexions actuelles.
Attendu que les municipalités et villes du territoire souhaitent que la région fasse partie intégrante de ces tables de discussion. Attendu que la ville de Thetford souhaite participer aux réflexions de façon constructive afin de faire partie des solutions avancées. En conséquence, je propose que la ville de Thetford Mines demande au gouvernement du Québec que les recommandations formulées dans le rapport final du BAP soient au centre de toutes les discussions qui touchent les éléments suivants. L'utilisation de l'amiante, les formes de valorisation et d'élimination, les études scientifiques sur les répercussions de l'amiante et de ses résidus sur la santé, le développement d'un cadre de valorisation des résidus miniers amiantés, la recherche de méthodes de disposition des résidus amiantés, que la ville de Thetford Mines demande d'être invitée à participer aux différentes discussions entourant la gestion des résidus miniers amiantés ayant lieu dans les différentes instances du gouvernement du Québec, que la ville de Thetford Mines appuie la démarche de revendication d'une présence des instances municipales dans les discussions initiées dans la MRC des Appalaches, que cette résolution soit transmise à M. François Legault, premier ministre du Québec, à Mme Isabelle Lecour, députée de Lotbinière-Frontenac, et à M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. Merci, M. Patry, pour cette longue résolution. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Verreau appuie M. Adam Patry. Merci beaucoup, M. Verreau. Donc, dans quelques jours, ça fera un an que le rapport du BAP concernant l'amiante est sorti. Donc, on espère pouvoir commencer à participer aux discussions concernant ce qui se passe là-dessus. 5.4, autorisation de signature pour un accord de partage pour l'annexion d'une partie du territoire de la ville par la municipalité d'Adstock. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Okay. Oui, M. le maire. Attendu qu'une municipalité locale peut, en vertu des articles 126 et suivants de la loi sur l'organisation territoriale municipale, étendre les limites de son territoire en y annexant en tout ou en partie le territoire contigu d'une autre municipalité locale, attendu que la municipalité d'Adstock désire annexer son territoire une partie de la ville de Thetford Mines, située dans la MRC des Appalaches, attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec a l'intention d'appuyer le règlement d'annexion numéro 225, -18 de la municipalité d'Adstock et que conciliateur a été nommé par le gouvernement pour négocier un accord sur le partage de l'actif et du passif relatif au territoire visé par l'annexion, attendu que la municipalité d'Adstock et la ville de Thetford Mines en sont venus à un accord de partage de l'actif et du passif relativement à l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Thetford Mines par la municipalité d'Adstock. En conséquence, je propose que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Thetford Mines l'accord de partage de l'actif et du passif relatif à l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Thetford Mines par la municipalité d'Adstock et tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présents. Merci, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Yves Bergeron, j'appuie M. Delisle. Merci, M. Bergeron. 6.1, rapport de la greffière sur les demandes de dérogation mineure. Je fais rapport au Conseil que je n'ai reçu aucune objection écrite concernant les demandes de dérogation mineure qui touchent les propriétés suivantes. 471 rue Labranche, 71 rue Dumais-Nord, 112 rue Lacerte, 1716 rue Saint-Désiré, 1042 rue Poirier et 488 9e rue Nord. Merci beaucoup. Alors, on va passer à l'étude des propositions là-dessus. Donc, en 7.1, dérogation mineure pour la propriété située au 1716 de la rue Saint-Désiré. Est-ce que j'ai une proposition? Gentlemen. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-048 concernant un immeuble situé au 10-16 rue Saint-Désiré a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande comporte deux volets, autoriser un bâtiment demi-cylindrique pour un usage commercial lorsque prescrit à un usage industriel, autoriser l'implantation d'un bâtiment demi-cylindrique à environ 4 mètres d'une résidence lorsque prescrit à 100 mètres. Attendu que les dispositions du règlement sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 6 avril et du 31 mai 2021,
En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-048 relativement au lot numéro 3 852 916 du cadastre du Québec soit acceptée. Donc, c'est proposé par Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Verreault appuie Mme Perrault. Parfait, M. Verreault. Monsieur le maire, je vous demanderai le vote sur cette proposition. D'accord, le vote est demandé, Mme la greffière. Donc, si vous êtes prête, on va commencer à enregistrer les votes. Ça vous va? Donc, allons-y. Dans le district numéro 1, Mme José Perrault, pour ou contre la proposition? Je suis pour la proposition. Monsieur Michel Verreault. Pour la proposition. Monsieur Adam Patry. Adam Patry, je suis pour la proposition. Monsieur Yvan Corriveau. Je suis contre la proposition. Monsieur Jean-François Delisle. Je suis contre la proposition. Madame Hélène Martin. Contre la proposition. Monsieur Yves Bergeron. Pour la proposition. Et Madame Lise Delisle. Pour la proposition. Et Madame la greffière, j'enregistrerai mon vote contre la proposition. Alors, Monsieur le maire, il y a 4 votes contre la proposition, 5 votes en faveur de la proposition. Elle est donc acceptée à la majorité. D'accord, on va poursuivre avec 7.2, dérogation mineure pour la propriété située au 471 de la rue Labranche. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-067 concernant un immeuble situé au 471 rue Labranche a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à réduire la marge de recul latéral gauche à 0,9 m lorsque prescrite à 1,5 m, attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 7 mai 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation du zonage portant le numéro 2021-067 relativement au lot numéro 4 154 454 du cadastre du Québec soit acceptée à la condition de conserver la haie de sève sur la ligne latérale gauche. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle, j'appuie M. Corriveau. Merci beaucoup. 7.3, dérogation mineure pour la propriété située au 71 de la rue Dumais. Allez-y. Oui, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le numéro 2021-062 concernant un immeuble situé au 71 rue Dumais Nord a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande comporte 2 volets. Autoriser son nouveau lot d'une superficie de 451,3 m² lorsque prescrite à 510 m² minimum pour un terrain desservi par l'aqueduc et par les égouts. Autoriser un nouveau lot d'une largeur de 15,85 m lorsque prescrite à 18 m minimum pour un terrain desservi par l'aqueduc et par les égouts. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 mai 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de lotissement portant le numéro 2021-062 relativement au lot numéro 4 155 311 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Verreault appuie M. Adam Patry. Merci, M. Verreault. 7.4, dérogation mineure pour la propriété située au 112 de la rue Lacerte. Allez-y. Oui, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-068 concernant un immeuble situé au 112 rue Lacerte a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à autoriser un bâtiment complémentaire d'une hauteur de 6,7 m lorsque prescrite à 5,5 m maximum. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 mai 2021.
En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-068 relativement au lot numéro 4156208 et 5035059 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci beaucoup, M. Patrie. Quelqu'un vous appuie? Oui, certainement. Hélène Martin, j'appuie M. Patrie. Merci, Mme Martin. 7.5, dérogation mineure pour la propriété située au 309 de la rue Oméra. Oui. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-071 concernant un immeuble situé au 309 rue Oméra a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à permettre l'implantation d'un deuxième bâtiment demi-cylindrique en dôme lorsque prescrit en un seul bâtiment de ce type par propriété. Attendu que cette demande ne respecte pas les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures. Attendu l'avis défavorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 mai 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation du zonage portant le numéro 2021-071 relativement au lot numéro 4156998 et 4157665 du Québec soit rejetée pour les raisons suivantes. La dérogation n'est pas mineure et porte atteinte à la jouissance par les immeubles voisins de leurs droits de propriété. Alors, merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Barrault appuie. Merci beaucoup. 7.6, dérogation mineure pour la propriété située au 1042 de la rue Poirier. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021 0077 concernant un immeuble situé au 1042 rue Poirier a été déposé au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à autoriser l'implantation d'un bâtiment demi-cylindrique pour un usage forestier lorsque prescrit pour un usage industriel. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 31 mai 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-077 relativement au lot numéro 6386441 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci, M. Véro. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle. J'appuie M. Véro. Merci beaucoup. 7.7, dérogation mineure pour la propriété sur 488 de la 9e rue Nord. Je vous écoute. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-082 concernant un immeuble situé au 488 9e rue Nord a été déposée au service d'urbanisme. Attendu que cette demande consiste à réduire la marge de recul avant secondaire à 2,7 mètres lorsque prescrite à 4 mètres. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 31 mai 2021. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2021-082 relativement au lot 4 384 313 du cadastre du Québec soit accepté à la condition de planter un arbre sur la façade avant. Merci, M. Delisle. Est-ce que quelqu'un souhaite vous appuyer? Oui, M. le maire. Yvan Corriveau, j'appuie M. Delisle. Alors, merci, M. Corriveau. 7.9, plan projet de rénovation extérieure au 18 de la rue Bennett-Est. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Donc, attendu que le plan projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 18 rue Bennett-Est a été déposé au service d'urbanisme, soit la demande numéro 2021-066. Attendu que la demande respecte les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu les informations et les recommandations inscrites dans la fiche d'inventaire de ce bâtiment, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 mai 2021. En conséquence, je propose
que le plan projet numéro 2021-066 soit accepté à la condition d'utiliser un revêtement imitant la pierre sous la galerie. Merci, Mme Martin. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Verreault appuie Mme Martin. Alors, merci, M. Verreault. 7.9, plan projet de rénovation extérieure au 409 de la rue Notre-Dame-Est. Allez-y. Oui, donc attendu que le plan projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 409 rue Notre-Dame-Est a été déposé au service d'urbanisme, soit la demande numéro 2021-081. Attendu les données techniques et l'évaluation patrimoniale de la fiche d'inventaire, attendu que la demande respecte les objectifs et critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 31 mai 2021. En conséquence, je propose que le plan projet numéro 2021-081 soit accepté à la condition de déplacer ou d'enlever la coupole sur la toiture de la galerie. Merci beaucoup, Mme Martin. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle, j'appuie Mme Hélène Martin. Alors, merci, M. Delisle. 7.11, approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu que les procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme ont été déposés et que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants ont obtenu une recommandation favorable de ce comité, plan projet d'abattage d'arbres au 455 rue Carrette, plan projet d'abattage d'arbres au 86 rue Lapierre, plan projet de construction au 591 rue Beaumanoir, plan projet de rénovation extérieure au 78 rue Notre-Dame-Est, plan projet d'implantation d'une nouvelle clôture au 17 de la rue de la Fabrique, plan projet de construction d'un nouveau bâtiment commercial au 3639 boulevard Frontenac-Ouest, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 et 31 mai 2021. En conséquence, je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale soient acceptés conformément aux recommandations présentées dans les procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme et de développement du territoire daté du 4 et du 18 mai 2021. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire. Yvan Corriveau. J'appuie M. Michel Verreault. Merci, M. Corriveau. 8.1, construction d'une plateforme au parc Saint-Noël. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur le maire, attendu le projet d'aménagement d'un abri couvert en bordure de la rivière de Cancourt au parc Saint-Noël, attendu l'absence de soumissionnaire suivant l'appel d'offres pour la construction des structures, attendu la soumission reçue de CRL Construction Inc. pour la construction d'une partie de la structure, soit la plateforme incluant les gardes et l'accès à celle-ci, attendu que les pieux ont été installés à l'automne 2020 en prévision d'une construction au printemps 2021, attendu la recommandation du service des travaux publics, du génie et de l'environnement et celle du service du greffe, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 mai 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite à l'offre de service reçue le 26 avril 2021, la Ville confie à CRL Construction Inc. un mandat de gré à gré pour la construction de la plateforme dans le cadre du projet d'aménagement de la bande riveraine au parc Saint-Noël au montant de 31 000 $ taxes en sus, payable à même les fonds de règlement d'emprunt suivants. 5 317 $ à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 570 et 27 328 à même les fonds du règlement d'emprunt 670. Alors, merci beaucoup, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Yves Bergeron. Merci beaucoup, Mme Perrault. 8.2, un mandat de modélisation au poste de pompage au Grand Lac Saint-François. Une proposition, s'il vous plaît. Donc, attendu qu'il serait avantageux de pouvoir utiliser 3 des 4 pompes simultanément afin d'améliorer la capacité de notre station de pompage au Grand Lac Saint-François et d'avoir plus de flexibilité dans les opérations. Attendu l'offre de service reçue par Haut Transit Inc. pour la modélisation nécessaire du système en place. Attendu la recommandation du service des travaux publics du génie et de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 7 mai 2021. En conséquence, je propose que la ville de Pepperminds confie de gré à gré à Haut Transit Inc. les travaux de modélisation du
système de postes de pompage au Grand Lac Saint-François, ainsi que différents tests et mesures sur les installations selon les modalités prévues dans l'offre de services reçue par la firme, et ce, au coût de 10 100 $ taxes en su, payable à même les fonds généraux de la ville pour l'année 2021. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, certainement. Hélène Martin, j'appuie M. Delisle. Merci, Mme Martin. En 8.3, remplacement de fenêtres à l'édifice Saint-Jean. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour le remplacement des fenêtres à l'édifice Saint-Jean. Attendu que la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante, construction MMG, pour un montant total de 22 320,97. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par la commission permanente en date du 7 mai 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à construction MMG les travaux de remplacement de 27 fenêtres à l'édifice Saint-Jean pour une somme totale de 22 320,97 $ en su, payable à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2021. Merci bien. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patrie, j'appuie Mme Perrault. Merci beaucoup. 8.4, fourniture et installation de système de téléphonie IP. Je vous écoute. Oui, M. le maire, attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture et l'installation d'un système de téléphonie IP, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante, soumissionnaire Incotel ISQ Incorporé, option A, solution Mitel, 34 668 $, option C, solution HD, 1 721 $, entretien annuel taxe en su, 2 400 $ et 2,55 $ par année. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date 7 mai 2021, en conséquence, je propose que pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Incotel ISQ Incorporé la fourniture et l'installation d'un système de téléphonie IP à certains édifices municipaux selon l'option A pour une solution Mitel représentant des déboursés totaux de 44 668 $, taxes en su, payables à même les fonds généraux, que le contrat d'entretien des systèmes et des appareils soit également accordé à Incotel ISQ Incorporé pour une période de 5 ans au coût annuel de 3 778 $ et 75 $, taxes en su, payables à même les fonds généraux de la Ville pour les années 2020 à 2026. Merci bien. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Yvan Corriveau. Merci, M. Verreault. 8.5, fourniture de matériaux granulaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour cette proposition? Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture de matériaux granulaires avec ou sans transport, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Gravière GNVR pour un total de 91 625. Groupe Nadeau pour un total de 319 085 $. Béton provincial pour un total de 327 000 $. Pavage Centre-Sud du Québec pour un total de 532 000 $, 0,25. Excavation Magui pour un total de 542 003 $. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 mai 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Excavation Magui, Pavage Centre-Sud, Béton Provincial, les gravières GNVR, le contrat de fourniture de matériaux granulaires selon les prix unitaires déposés qui incluent les frais de redevance de carrière en fonction des modalités du tableau suivant, pour un grand total de 473 373 $, que la dépense totale estimée à 474 373 $ taxes en su, soit payable à même les fonds généraux de la Ville pour les années 2020-2021, que le contrat soit accordé pour une période de 12 mois expirant le 2022. Merci, M. Verreault. Quelqu'un vous appuie? Oui, certainement. Hélène Martin, j'appuie M. Verreault. Merci, Mme Martin. On passe à 8.6, un mandat pour l'implantation de puces électroniques dans les bacs et conteneurs dans le secteur de Robertsonville. Allez-y. Monsieur le maire, donc attendu
que la ville de Thetford Mines souhaite mettre sur pied un projet pilote d'implantation de puces électroniques sur les bacs et conteneurs dans le secteur de Robertsonville. Attendu qu'une proposition technologique a été reçue de la firme eMindTech pour la mise en œuvre du projet. Attendu la recommandation du service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 19 avril 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite à la proposition reçue, la Ville confie à la firme eMindTech la mise en place du projet pilote visant l'implantation de puces électroniques sur les bacs et conteneurs dans le secteur Robertsonville, selon les prix unitaires proposés et pour une dépense estimée à 27 890 $ incluant l'équipement technologique, la solution logicielle ainsi que les services, le tout payable à même le surplus affecté à la réalisation de ce projet par la résolution numéro 2021-167-TM. Merci, Mme Martin. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Yvan Corriveau, j'appuie Mme Martin. Merci beaucoup. 8.7, mandat de prolongement de la piste cyclable sur la 9e rue Sud. On parle de bordure de béton. J'attends une proposition. Oui, M. le maire, attendu le projet de prolongement de la piste cyclable sur la 9e rue Sud entre la rue Monet et de la Nature, attendu la soumission reçue de Jean Leclerc Excavation pour la réalisation des travaux, attendu la recommandation du service des travaux publics du génie de l'environnement, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 31 mai 2021. En conséquence, je propose que la ville de Thetford Mines confie à Jean Leclerc Excavation un mandat de gré à gré pour la réalisation des travaux de bordure de béton dans le cadre du prolongement de la piste cyclable sur la 9e rue Sud, entre les rues Monet-Est et de la Nature, le tout selon la soumission reçue en date du 19 mai 2021 au montant de 21 546 $ payable à même les fonds généraux de la ville pour l'année 2021. Merci, M. Bergeron. Un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, Jean-François Delisle, d'appui, M. Bergeron. Merci beaucoup, M. Delisle. 8.8, travaux de préparation et de construction de la piste cyclable sur la 9e rue Sud. Alors, encore une proposition, s'il vous plaît. Oui, attendu le projet de prolongement de la piste cyclable sur la 9e rue Sud pour relier la rue de la Nature au centre de congrès afin de rejoindre la piste cyclable de rue Monet-Est. Attendu que l'entrepreneur Les Constructions de l'Amiante Inc. est déjà sur place pour les travaux du développement domiciliaire de la rue de la Nature. Attendu la proposition de l'entrepreneur de fournir la main-d'œuvre pour le prolongement de la piste cyclable. Attendu la recommandation des membres de la Commission des services des travaux publics du génie de l'environnement lors de la réunion du 11 mars 2021. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 31 mai 2021. En conséquence, je propose que la ville de Thetford Mines confie à Construction de l'Amiante un mandat de gré à gré sur une base horaire selon la liste des prix reçu le 19 mai 2021 pour effectuer les travaux de préparation et de construction à l'aide des matériaux fournis par la ville dans le cadre du prolongement de la piste cyclable sur la 9e rue Sud pour une dépense totale estimée à 46 000 $ taxes en su, payable à même les fonds généraux de la ville pour l'année 2021. Merci bien. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, Adam Patry, j'appuie M. Bergeron. Merci, M. Patry. 8.9, entretien ménager de la Maison de la culture. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Donc, attendu la tenue d'un appel d'offres pour les travaux d'entretien ménager de la Maison de la culture pour 2021 à 2024, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante, soit entretien, fréchette et grenier, pour un total de 92 040 $ Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 31 mai 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite à la soumission reçue, la Ville confie à Entretien général Fréchette et Grenier les travaux d'entretien ménager de la Maison de la culture pour la période de juin 2021 à mai 2024 au tarif mensuel de 2 540 $ taxes en su, et au tarif horaire de 30 $ pour des travaux supplémentaires éventuellement requis, le tout payable à même les fonds généraux de la Ville pour les années 2021 à 2024. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, José Perrault, j'appuie Mme Martin. Merci, Mme Perrault. En 8.10 maintenant, acquisition d'équipements de protection individuelle pour les chantiers en présence d'amiante. Je vous écoute.
Donc, attendu la proposition reçue de TGS Industriel pour la fourniture des équipements requis pour les travaux en présence d'amiante en date du 25 2021, attendu la recommandation de la commission des travaux publics du génie de l'environnement du 13 mai 2021, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente date du 31 mai 2021, en conséquence, je propose que, pour faire suite à la proposition reçue, la ville de Desmarais achète de TGS Industriel 8 ensembles de masques respiratoires N405 avec système d'air propulsé 3M de marque Vestaflo, incluant visière, cagoule, ventilée et autres équipements nécessaires pour une dépense anticipée de 7 015 $ et en dessous, taxe en su, payable à même les fonds généraux de la ville pour l'année 2021. Merci bien. Quelqu'un vous appuie? Oui, Hélène Martin, j'appuie M. Delisle. Merci, Mme Martin. 8.11, travaux de forage dirigés pour égouts sur le chemin des Bois-Francs. Proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu les travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires pour desservir 3 résidences situées sur le chemin des Bois-Francs Est, attendu la nécessité par la ville d'engager une firme spécialisée en forage dirigée pour une partie des travaux, attendu que l'entente conclue avec les propriétaires des immeubles qui profiteront des travaux prévoit une contribution de ces derniers au coût relié à ce prolongement du réseau, attendu les offres de services reçues de la firme forage dirigée Coulombe, attendu la recommandation du service des travaux publics du génie et de l'environnement, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 31 mai 2021. En conséquence, je propose que, pour faire suite aux offres de services reçues le 9 septembre 2019 et 29 juin 2020, la ville confie à Forage dirigé Coulombe un mandat de gré à gré pour effectuer les travaux de forage dirigés dans le cadre du prolongement du réseau d'égouts sanitaires sur le chemin des Bois-Francs Est, que la dépense estimée par le service des travaux publics du génie de l'environnement à 17 140 taxe en su, soit payable à même les fonds généraux de la ville pour l'année 2021 et à même la contribution versée par les propriétaires des lieux visés par le prolongement du réseau, conformément à l'entente conclue avec la ville. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Verreault appuie M. Yvan Corriveau. Merci, M. Verreault. 8.12, fourniture et installation de 2 portes doubles extérieures au centre Mario-Gosselin. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui aimerait le proposer? Oui, M. le maire. Attendu la sollicitation de prix auprès des fournisseurs locaux pour le remplacement de 2 ensembles de portes doubles extérieures au centre Mario-Gosselin, attendu que la ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante, Vitori Fleur-de-Lys incorporée, 9 035 $, attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente à date du 31 mai 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite à la soumission reçue, la ville confie à Vitrerie Fleur-de-Lys incorporée la fourniture et l'installation de 2 ensembles de portes doubles extérieures en acier au montant de 9 035 $ taxe en su pour l'ensemble, par ensemble, dis-je, de portes doubles, incluant les travaux de démolition réalisés avant l'installation des nouvelles, le tout payable à même les fonds généraux de la ville pour l'année 2021. Merci beaucoup, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Une seulement, je vous ai Perrault. J'appuie M. Yvan Corriveau. Merci, Mme Perrault. 8.13, fourniture et installation de tourbes cultivées. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture et la livraison de tourbes cultivées pour l'année 2021. Attendu que la ville a procédé à l'ouverture de la soumission suivante, à Landry et fils paysagistes, pour un montant de 11 550. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 31 mai 2021. En conséquence, je propose que pour faire suite à la soumission reçue, la ville confie à Alandry et fils paysagistes incorporés la fourniture de tourbes cultivées en plaques pour l'année 2021 au prix unitaire de 3,55 pieds carrés taxe en su, incluant la livraison pour une dépense totale de 11 550 $ taxe en su, payant à même les fonds généraux de la ville pour l'année 2021. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Verreault appuie Mme Perrault. Merci, M. Verreault. 9.1, demande de révision de l'évaluation foncière des comptes d'hôtel, un règlement hors cours. J'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu le dépôt d'une requête au tribunal administratif du Québec, les propriétaires des unités de condo du 755 9e rue Sud, dans le but de contester l'évaluation foncière
concernant le rôle triennal 2016 à 2018. Attendu que les parties ont conclu une entente à l'amiable afin de régler ce litige. Attendu la recommandation du service des affaires juridiques. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date des 7 décembre 2020 et 17 mai 2021. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines autorise le paiement de la somme connue à titre de règlement complet et final du dossier, tel que le prévoit l'entente approuvée par la résolution numéro 2020-239-CP, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines tous les documents nécessaires à la parfaite exécution des présentes. Merci beaucoup, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Yves Bergeron, j'appuie M. Patry. Merci, M. Bergeron. 13.1, l'approbation des dépenses financées par le fonds de roulement de l'année 2020. Proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu que des dépenses financées par le fonds de roulement avaient été approuvées lors de la préparation budgétaire 2020 pour un montant de 937 000 $. Attendu que certaines dépenses autorisées au fonds de roulement au cours des années précédentes avaient été reportées à 2020. Attendu l'état des projets réalisés et financés par le fonds de roulement au cours de l'exercice 2020, présenté dans le tableau suivant, tableau que l'on peut consulter dans les documents de la présente séance. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances en date du 6 mai 2021. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 17 mai 2021. En conséquence, je propose que les dépenses effectuées en 2020 et financées à même le fonds de roulement qui totalise 973 287,73 $, soit approuvé, qu'un montant de 6 588,96 $ soit rendu à nouveau disponible au fonds de roulement, étant donné les projets terminés en 2020 qui ont nécessité un financement moindre que l'engagement préalablement autorisé lors du processus budgétaire, que l'engagement du fonds de roulement pour les projets autorisés mais non réalisés en 2020 doit conserver pour finaliser ces projets au cours des prochaines années. Merci, M. Véraud. Quelqu'un vous appuie? Oui, Yves Bergeron, j'appuie M. Véraud. Merci, M. Bergeron. 13.2, l'acceptation de la liste des chèques pour le mois d'avril 2021. Allez-y. M. le maire, attendu que le service des ressources financières a déposé la liste des chèques du mois d'avril 2021, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 31 mai 2021, en conséquence, je propose que le bordereau des comptes fournisseurs au montant de 2 657 068 $ 54 sous pour la période du 1er au 30 avril 2021 soit accepté. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, Hélène Martin, j'appuie M. Corriveau. Merci, Mme Martin. En 17.1, règlement numéro 795 pour les travaux de voirie pour cette année. Alors, j'attends une proposition. Oui, M. le maire. Attendu que le règlement d'emprunt numéro 795 est la principale source de financement pour la réalisation de divers travaux de voirie durant l'année 2021, attendu la recommandation du service des travaux publics du génie et de l'environnement, attendu la recommandation des membres de la commission permanente en date du 6 avril 2021, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines autorise le paiement des dépenses relative au projet figurant sur la liste suivante, à même les fonds de règlement d'emprunt numéro 795. Réflexion d'une partie de la route du Sabot d'Or sur une longueur approximative de 1200 mètres linéaires, 150 000. Pavage route des défricheurs, 100 000. Et réflexion de la rue des entreprises pour un montant de 300 000, soit un total de 550 000. S'il advient que les montants d'une appropriation indiquée dans le présent décret est plus élevé que les dépenses effectivement faites en regard de cette dernière, l'excédent pourrait être utilisé pour payer toute dépense décrétée et dont l'estimation s'avérait insuffisante. Merci beaucoup, Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle, j'appuie Mme Perrault. Alors, merci à M. Jean-François Delisle. On vous rappelle aussi qu'il y a des travaux qui avaient été prévus l'an dernier qui n'ont pas été réalisés, donc qui vont se continuer cette année. Alors, il y aura quand même possiblement de travaux cette année. 17.2, appui au groupe Métifone. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Jean-François Delisle, j'ai attendu la demande d'appui reçue du groupe Métifone dans le cadre du projet de restauration des rives de la rivière Bécancour en amont du pont de la rue Saint-Désiré
Attendu qu'une demande d'aide financière peut être déposée auprès de la MRC des Appalaches dans le cadre du Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau pour chacune des deux phases de ce projet. Attendu la recommandation de la Commission des travaux publics du génie et de l'environnement en date du 13 mai 2021. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 13 mai 2021. En conséquence, je propose que la Ville de Tetramine confirme son appui au groupe Medifone dans le cadre de leur demande d'aide financière pour la réalisation des phases 1 et 2 du projet de restauration des rives de la rivière Bécancour en amont du pont de la rue Saint-Désiré. Merci, M. Delisle. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, Adam Pantry, j'appuie M. Delisle. Alors, merci, M. Pantry. 19.1, programme d'infrastructure pour la municipalité Amis des aînés, donc amélioration de l'accessibilité aux activités aquatiques extérieures. Ça me prendrait une proposition. Monsieur le maire, donc attendu le désir de la Ville d'améliorer l'accessibilité au site où se pratiquent des activités aquatiques extérieures. Attendu que la réalisation du projet proposé profiterait à la clientèle aînée sur le territoire de la Ville. Attendu que le projet est admissible au programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. Attendu la recommandation du service des loisirs et de la culture. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 17 mai 2021. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines autorise le dépôt du projet d'amélioration de l'accessibilité aux activités aquatiques extérieures dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés du gouvernement du Québec. Que la Ville de Thetford a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Que la Ville de Thetford s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus de l'infrastructure visée. Que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Que la Ville de Thetford Mines désigne le directeur du service des loisirs et de la culture comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné. Merci, Mme Martin. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, M. le maire. Yvan Corriveau, j'appuie Mme Martin. Merci beaucoup. 19.2, programme de legs des Jeux du Québec. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire, attendu que les critères du programme d'aide financière à des projets visant les jeunes 12-17 ans ont été adoptés par la résolution numéro 2019-441-CM. Attendu que les investissements à faire pour les organismes sont plus importants en début du projet. Attendu que le comité de legs des Jeux du Québec 2018 propose des modifications concernant les modalités de versement de l'aide financière afin que 75% du montant octroyé soit versé à l'organisme lors de l'acceptation du projet et que le solde soit versé à la suite du dépôt des pièces justificatives. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 31 mai 2021, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines appuie la version revisée en juin 2021 du programme d'aide financière à des projets visant les jeunes de 12 à 17 ans. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, Yves Bergeron, j'appuie Mme Perrault. Merci, M. Bergeron. En 20 points, l'adoption du règlement numéro 815 pour un projet 2021-20-PIIA. Mme Lagraffière. Alors, il s'agit d'un règlement d'urbanisme qui n'implique aucune dépense et il touche principalement les propriétés qui sont situées le long de la rue Notre-Dame-Est. Je vous dirais entre la rue d'Audier puis le pont de la Fonderie. Merci pour l'information. Une proposition maintenant? Oui, M. le maire. Attendu que le projet numéro 2021-20-PIIA a été adopté lors de la séance du conseil tenue le 17 mai 2021 et que l'avis de motion a été donné également à cette date. En conséquence, je propose que le règlement numéro 815, intitulé « Règlement amendant le règlement sur le PIIA » numéro 212, dans le but d'y assujettir davantage de bâtiments situés au centre-ville, soit adopté sans changement, que le texte intégral de ce règlement soit consigné au taux 37 des livres de règlement de la ville. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie?
Oui, Jean-François Delisle, j'appuie M. Corriveau. Merci bien. 20.2, l'adoption du projet de règlement numéro 2021-17, un emprunt pour la rue Marcoux et Fecteau. Je vous écoute. Oui, M. le maire, je propose que le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt pour des travaux de réfection des infrastructures des rues Marcoux et Fecteau soit adopté et que le numéro 2021-17 soit attribué. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, certainement. Hélène Martin, j'appuie Mme Perrault. Merci, Mme Martin. 20.3, une adoption pour le projet de règlement numéro 2021-18 pour la tarification au stationnement Sainte-Marie-au-Gosselin. On vous écoute. Oui, excusez-moi. Donc, je propose que le projet de règlement amendant le règlement numéro 781 pour établir la tarification de certains biens, services ou activités des divers services de la ville, plus spécifiquement concernant la tarification pour la location de certaines zones du stationnement du centre Marie-Gosselin, soit adopté et que le numéro 2021-18 lui soit attribué. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patrie, j'appuie Mme Martin. Parfait, merci. Peut-être juste pour préciser qu'on ne veut pas. Il n'y aura pas un tarif pour les utilisateurs du centre Marie-Gosselin. C'est si quelqu'un voulait louer une zone au complet d'un stationnement pour y tenir une activité, par exemple, mais pas pour quelqu'un qui va aller voir un match d'assurance. Ne vous inquiétez pas. 20.4, adoption du projet de règlement numéro 2021-83-PU pour le PPU du centre-ville, donc le plan particulier d'urbanisme du centre-ville. J'attendrai une proposition maintenant. Oui, M. le maire, je propose que le projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 417 dans le but d'y intégrer un nouveau plan particulier d'urbanisme soit adopté et que le numéro 2021-83-PU lui soit attribué. Qu'en raison de la situation sanitaire actuelle, la consultation des personnes intéressées se fasse par écrit, transmis par la poste ou par courriel pendant la période du 11 au 25 juin 2021. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Véro appuie M. Patry. Merci, M. Véro. 20.5, un avis de motion pour le projet numéro 2021-17. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Oui, je donne avis qu'à une prochaine séance de conseil sera présentée pour étude et adoption le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt pour des travaux de réfection des infrastructures des rues Marcoux et Fecteau. Merci beaucoup. Un autre avis de motion pour le projet 2021-18. Je vous écoute. Oui, M. le maire, je donne avis qu'à une prochaine séance du conseil sera présentée pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement numéro 781 pour établir la tarification de certains biens, services ou activités des divers services de la ville, plus spécifiquement concernant la tarification pour la location de certaines zones de stationnement du centre Marie-Gosselin. Merci bien. En 20.7, un autre avis de motion pour le projet numéro 2021-83-PU. Je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 pour y inclure un nouveau plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2021-83-PU. Alors, merci beaucoup, M. Delisle. C'est ce qui compléterait l'ordre du jour de ce soir. Encore une fois, nous n'avons pas reçu de questions. On vous invite à le faire. Ça nous ferait plaisir d'avoir vos questions pour pouvoir y répondre en fin de séance comme ça. Toujours est-il qu'on espère encore plus avoir la possibilité de vous avoir dans le public. On espère que ça va arriver bientôt. Sinon, profitez de cet été, allez regarder la fin du match du Canadien et on vous souhaite une très belle fin de soirée. Au revoir.